Donc ils ont vu la totalité. Qui, dans quelle génération, depuis la création du monde, ils ont vu le plus de miracles possibles? Maintenant on cherche, dans tout le Tanakh à Dayomazé, qui a vu le plus de Guilui Elokut? À part la génération de Yitzhak Misraim, il n'y a pas, ils ont vu la totalité. Qu'est-ce qui se passe après ça, 40 jours après? Chet HaEgel. Alors j'ai envie de vous dire d'une manière très, si je peux me permettre, très... Venons, on laisse tout tomber. On n'a plus aucune chance. Si eux, ils ont eu tous les Guilouim, ils ont vu Dieu comme même une chiffra, la Yama, la Papu. Ils ont vu Dieu de leurs propres yeux, les SR Makot, les Kriyat Yam Souf, ils ont vu Matin de Torah. 40 jours après, ils font quoi? Chet HaEgel. Ils font quoi? Ils font Avodah Zarah. Mais quelle chance nous on a? Nous on n'a rien vu. Nous on n'a pas reçu de l'écart, on n'a pas reçu un dollar, on n'a pas une irkidut avec le rêve. Quelle chance on a, nous, d'être un bon juif, shomer Torah Mitzvot? Explique-moi, quelle est la... Vous comprenez la logique? Il n'y a pas de logique. Mais on n'a qu'à tout arrêter, le jeu il est perdu d'avance. Gam Matan Torah, quand c'est marqué, tout le monde le sait, Kafa Alay Marka Gigit. Dieu il aura... Il les a obligés, vous n'avez pas le choix. Ou vous recevez la Torah, ou c'est bon, vous êtes enterré 36 000 pieds sous terre. C'est bonnes. Alors qu'ils avaient eu tous les Guilouim. Arrivés à l'époque de Haman Arasha ou à l'époque de Achashverosh, où ils sont dans le... Il n'y a pas de Guilouim. Après plusieurs années de Galout, assimilés parmi les Goïm. Haman Arasha, il a la plus grande xéra qu'il n'a jamais eue depuis l'histoire du peuple juif. De tuer à Nashim, Nashim Vataf, de tuer hommes, femmes, enfants, même le nourrisson, tout ça en un jour. Et Achashverosh, il est roi, Madaï Vataparaz, il est roi du monde, t'as pas où te sauver, on va tuer tout, exterminer tout le peuple d'Israël en un jour. Le moment le plus critique, c'est là que Pitom, le peuple d'Israël est mitorer. Et qu'est-ce qui se passe? Là, Pitom, on te dit que les Bnei Israël, ils ont commencé de leur plein gré à accomplir Torah et Mitzvot. C'est-à-dire, un moment tellement critique, là, les Bnei Israël, ils sont mis Torah, ils se réveillent, et là, ils ont envie d'accomplir Torah et Mitzvot de leur plein gré. Makara, c'est pas logique. Et là, la réponse... Le Rabbi explique, Bikitsour, que lorsqu'il y a quelque chose qui vient mille et mal, en réalité, je vais vous dire directement avec mes mots à moi, est-ce que tu es un pilote ou tu es un passager? Est-ce que tu es un touriste ou un acteur? Les Bnei Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'était des touristes. Ils étaient là, c'est comme si tu vas dans un safari. Ils étaient, je tout fais zima, ils étaient mamash assimilés. Ils étaient au Dav d'Azara en Égypte. On les a sortis d'Égypte de force. La raison pour laquelle on raconte, on explique, c'est expliqué longuement dans Sidout, Sfirata Omer. Chaque jour vient purifier ces mêmes têtes, char et touma. Donc les Israélites, ils n'étaient pas pris, ils n'ont pas fait de Hachana, ils n'ont rien fait pour se préparer à Matan Torah. Très bien, ils ont vu tous ces miracles, ils ont vu Kriyat Yam Souf, ils ont vu les Ser Makot, ils ont vu même Matan Torah. Mais tout ça, c'était... Ils étaient comme des spectateurs, comme des touristes. Ça venait pas d'eux-mêmes. Ça venait mille et mal. Ça venait d'en haut. Donc après Matan Torah, 40 jours après, c'est bon, on a fini notre safari. On a vu Kriyat Yam Souf, on a vu les Ser Makot. Super, mais ça m'a pas pénétré. Pourquoi? Parce que ça vient pas de moi. Moi, j'ai rien fait pour ça. J'ai rien fait pour arriver à là. Et donc, 40 jours après, je reste qui j'étais jusqu'à maintenant. Je suis un Oved Avodah Zarah. J'ai toujours été en Égypte. 40 jours après, je reste la même personne. Donc, je fais Chet HaEgel. On peut te montrer tous les Guilouim. Mais si toi, tu fais rien,
Par contre, à l'époque de Haman, quand il y a eu la Xéra, à mort des Chayyoudi, il a réveillé le Ham Israël pour faire Misirut Nefesh. Il a rassemblé les enfants pour étudier la Torah. Il a renforcé le Ham Israël. Et là, ils étaient dans une tsara, dans une souffrance. Malheureusement, lorsqu'une personne se trouve en souffrance, c'est ça que le Rabbi là-bas, il explique dans le Mamar, Matzav Katit. Matzav, il est tellement cassé que le Etzem HaNeshama se réveille. Lorsque la personne, malheureusement, il est oppressé, il y a des chassidim, ils étaient en Russie, ils ont dû fermer sur route Nefesh. Pourquoi? Parce que c'était... On les a forcés, on les a mis pied au mur, ou tu fais Avodah Zara, ou tu renonces au judaïsme, ou on te tue. Il fallait accomplir le judaïsme en cachette. Donc, on te force. Alors, ok, on te réveille, mais sur votre nefesh. Mais lorsque ces mêmes chassidim, le rabbi dit, ces mêmes chassidim que dans certains pays, il ne cite pas les pays, il dit, dans les mots qu'il y a dans le mamar, il dit, il y a des chassidim qui étaient dans certains pays, quand ils étaient là-bas, ils faisaient mis sur votre nefesh. On peut s'imaginer qu'il fait allusion en Russie, etc. En Amérique, ils ont... Quand ils sont arrivés en Amérique, c'est bon, c'est les pieds sous la table. Même pour des choses où il faut un petit effort, terminé. Voilà. Makara. Que lorsqu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, kafa alaim, karigit, on t'oblige, ok, tu fais. Lorsqu'il n'y a plus, tu ne fais plus. Au moment de Matan Torah, en réalité, non, nous, on a encore une chance. On a encore une chance parce qu'ils n'ont pas fait de avodah bekoach atzmo. Ils n'ont pas fait un travail personnel. C'était des passagers. C'était des touristes. Tandis qu'à l'époque de Haman, c'était plus des passagers. Chaque juif, c'était le pilote. Chaque juif, c'est le pilote. Chaque juif, ils étaient des acteurs. Maintenant, on va s'investir. Ça va devenir une avoda bekoratmo. Kimu mashikiblu. Ils ont commencé maintenant pour de vrai à recevoir de leur plein gré la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut apprendre à faire du vélo. Comment on apprend à faire du vélo? On nous met des roulettes. Vous savez, les petites roulettes qu'on met à côté, comme ça, on ne va pas tomber. Mais si la personne il fait du vélo tout le temps avec les roulettes, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas apprendre à faire du vélo. Parce qu'il est constamment aidé par ses roulettes. Quand est-ce que la personne il apprend vraiment à faire du vélo? C'est lorsqu'on lui enlève les roulettes. Ah, là, il va perdre l'équilibre. Il va apprendre à gérer son équilibre. Alors, il va peut-être tomber une fois, deux fois, trois fois. Et après, il va apprendre à faire du vélo. C'est lorsqu'il va affronter le conflit, il va affronter la difficulté. C'est là que, avec ses propres forces, il va apprendre à faire du vélo. Mais tant qu'il est aidé avec les roulettes, et la difficulté, elle n'est pas vraiment face à lui, il ne peut pas réellement travailler. Donc lorsque tu es, si on peut dire, ébloui par tous les Gilouim, par tous ces Nissim, par tous les miracles de Kriyat Yam Souf, de Matan Torah, c'est super, tu es ébloui de tout ça, mais la personne, il a pas encore vraiment sa place. C'est comme quelqu'un, comme un enfant sur un vélo avec des roulettes. Et lorsqu'on t'enlève les roulettes, lorsque tu es en matzav de galout, t'as pas de gilouim, tu reçois pas l'écart, tu reçois pas le dollar du rabbi. C'est là que t'es mitmoded. C'est là que tu vas affronter la difficulté. C'est à partir de ce moment-là que tu commences à grandir. Et j'ai envie de dire, on a dit tout à l'heure, pourquoi dans la Gemara est marqué dans cet ordre-là que Moshe Rabbeinu, il est Niftar Bezaïnadar, mais il est aussi né Bezaïnadar, alors qu'on aurait dû dire dans l'autre, il est né d'abord Zaïnadar, il est Niftar Zaïnadar. Quand en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en réalité, Haman, il n'a pas compris. Moshe Rabbeinu, même après sa mort, il continue jour après jour, Leivaled, il continue jour après jour de naître. Et de vivre. Pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai envie de vous dire que ça aussi, ça se passe à l'intérieur de nous. Quand est-ce qu'on commence à vraiment naître? À partir de quel moment une personne commence à grandir? C'est à partir du moment où elle a d'abord passé ces étapes difficiles. Elle a d'abord passé cette étape de mort, entre guillemets. Un adolescent, il est tout le temps sous l'aile de ses parents. Quand est-ce qu'il va commencer enfin à grandir? C'est lorsqu'il va s'éloigner de la maison. Et que là,
il va être à son libre arbitre. C'est là qu'il va commencer à grandir. On ne peut pas grandir, on ne peut pas naître s'il n'y a pas avant ça. S'il n'y a pas avant ça, si on n'affronte pas vraiment cette difficulté. On ne peut pas apprendre à faire du vélo si on ne nous enlève pas les roulettes. Le Chaim. Thank you.